Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau mag du WFC. Autant vous dire, ça fait 3 mois qu'on l'attend cette émission. 3 mois qu'on parle de Cristiano Ronaldo sans savoir le pourquoi du comment. Enfin, we've got a fucking interview. We've got it. Et quand je dis got, Pierce Brosnan. Got. Non, ça t'a... Merci à Pierce Brosnan. Ouais, Pierce Brosnan. Franchement, j'aime beaucoup. On l'avait un peu perdu de vue depuis les James Bond. Ouais. GoldenEye, il a fait GoldenEye et une interview de Cristiano Ronaldo. C'est quand même pas lui demain. Vous rappelez du générique de GoldenEye? J'ai vu aucun James Bond. Vous rappelez pas du générique de GoldenEye? J'ai vu zéro James Bond. Même pas Roger Moore, Daniel Craig. J'ai vu aucun. Donc c'est quoi du coup le jingle? Enfin le générique, la musique? Non, c'est très sexe, très sexuel. Tire à écouter. C'est James Bond quoi. Merci. GoldenEye. Oui, comme tous les James Bond. Ouais, c'est ça. Bref, donc un nouveau mag du WFC, je suis très très content de vous retrouver. Parce qu'en même, en préparant l'émission, enfin en préparant, c'est un bien grand mot, mais on ne savait pas trop quoi faire. Marseille, ouais, ça peut être pas mal, on fait un bilan Europe, ouais, je sais pas, on en a déjà fait, bilan Ligue 1, on en a déjà fait aussi, chiant. Boum! Notre ami Pierce qui dégaine un Cristiano Ronaldo du fusil. Boum! Christian au programme de ce mag. Il est très attendu sur cette émission, il a affûté ses coups. Pendant que vous ne le voyez pas. C'est Walid Acharch. Ça va, Walid? Hello, dear. Hello, Thomas. Hello, Elton. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Good evening. Walid Acharch. Another one. Acharch. Hello, Winami. I'm very happy. Winna friend. De vous retrouver. We've got a good day. A new day, Monday, Tuesday. I'm gonna wanna Tuesday. Et... Non, parce qu'en fait, je parle en anglais parce que je pense que cette émission va sûrement traverser l'Atlantique. Oui, ça. Ouais. Le Times, l'Athletic. Ouais, le Sun. Hein, Pierce, c'est pour toi qu'on fait ça. Exactement. J'espère que, comme d'habitude, les gens qui nous écouteront adapteront le son et le volume. Tout à fait. À ce qui va se passer. En fait, c'est une émission test pour tous les malentendants, peut-être. Oui. Les doutes sur leur, sur leur système auditif. Même pas, mais même ceux qui entendent bien. Entendent bien. Dans le chat, ils attendent des excuses. Sofiane Zouaoui est avec nous. Ça va, Sofiane? Salut à toutes, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour cette semaine qui nous lance vers la Coupe du Monde. Voilà, vers c'est vrai. Un horizon qui m'excite de plus en plus, puisque j'ai fait mon petit tableau de mon côté. J'ai déjà préparé tout ça. Ouais. Je suis déjà chaud. Voilà. Prévu au vendredi, tout à fait. Le teaser qui sort ce soir, tout à fait. Et avant de faire cette émission, comme on a l'habitude de le faire dès qu'il y a une émission sur Cristiano Ronaldo, évidemment, Walid et vous tous ici, j'ai un énorme respect pour Cristiano Ronaldo, pour toute sa carrière, pour la personne qu'il est, pour toutes les émotions qu'il nous a procurées. Bien évidemment, ça ne remet rien en cause de ce que je vais dire dans 10 minutes. Et une immense pensée, déjà d'une, pour Amin Harit. Qui va sûrement, qui est forfait pour la Coupe du Monde, mais qui va sûrement connaître des mois très très compliqués. Alors, ça va être peut-être moins long que prévu. Ah, ouais. L'OM a communiqué. Ok, bon, moi j'ai eu des échos. L'OM a communiqué, c'est une entorse. J'ai eu des échos où il a tout explosé. L'OM a communiqué, c'est une entorse. D'accord. Okay, bah, après une entorse des ligaments, ouais, plus la rotule, ouais, qui part un peu à droite. J'ai pas eu les mêmes échos, mais en tout cas, on espère le. Un minimum de 5 mois. On espère un grand, grand rétablissement, ouais, à Amine. J'ai une bonne saison en plus. Et juste pour rebondir sur ce que disait Elton, Sofiane, pardon, et peut-être aussi Elton, on remercie aussi Laszlo Bologna, oui, d'avoir lancé Ronaldo. Parce que sans lui, sincèrement, on n'aurait pas eu cette carrière extraordinaire. Et lui fait une belle Coupe du Monde à Cristiano. Exactement. Et on espère vraiment que tout ce qu'on va dire ne choquera pas. Évidemment. Et du coup, Elton, on espère qu'il retrouvera son code PUC. Pour envoyer un message à Benzema? Non. Bonjour Thomas, bonjour Walid, bonjour Sofiane, bonjour Léo Inami. Très content d'être parmi vous après un dimanche soir qui a été particulièrement animé, oui, aussi bien sur le terrain avec Marseille-Monaco, Juve, Lazio, et ce qui s'est passé hors terrain. Oui, parce que le but de Kolasinac, 5 minutes après, ouais, et on a basculé sur le portugais. Quoi. Et ce qui s'est passé avec l'interview à venir de Cristiano Ronaldo, même s'il y a déjà eu des premières capsules. Oui, j'ai bon juste teaser. Oublié un truc, Thomas, ouais, et lève si la je main. Peux demander, ouais, à la quand régie. Quand tu parles, ça sert à rien de lever la main. Si je peux juste demander à la régie de m'apporter le classeur qui fait état de tous les accomplissements de Cristiano Ronaldo. Ah, parce que avant excellent. De pouvoir dire quelque chose de négatif sur Cristiano Ronaldo, je vais rappeler que sur le tournoi de Toulon, il a été très bon. Je vais rappeler que sur un match de barrage face à l'équipe de France, il a été très bon. Match à Clermont, souvenir. C'est vrai, j'y étais. Je vais j'avais le maillot. Alors, petite anecdote sur moi, j'avais le maillot d'Evra dans la main. Ah ouais. Il l'avait jeté, j'avais dans la main. Ouais. Et il y a un adulte derrière qui me l'a
qu'il ouais, a tiré, qu'il a donné à son fils. Je vais rappeler que le 12 juin 2004, il a marqué un but face à la Grèce. Je vais d'ailleurs dire en 2007 qu'il a été champion d'Angleterre. Je vais dire qu'à Moscou 2008, il a marqué le premier but face à Chelsea. Je vais rappeler qu'en 2010, il fait une saison incroyable avec le Real, sa première saison. Je vais rappeler qu'en 2011, à Valence, il met un but très important qui donne la Copa del Rey pour Real Madrid face au Barça. Je vais rappeler qu'en 2012, le calma. Je vais rappeler qu'en 2013, il y a le but face à Manchester United en huitième de finale. Je vais rappeler qu'en 2014, il met le but du 4-1 à Lisbonne chez lui. Je vais rappeler qu'en 2015, même s'il y a saison blanche, il tape quand même des records. Je vais rappeler quand même en 2016, pénalty face à Atlético de Madrid. 2017, il y a Cardiff. 2018, il y a Kiev. 2019, première saison avec la Juve. On est quand même sur un Cristiano Ronaldo qui est incroyable. 2020, avec la Juve, Sarri, Dybala. C'était un moment incroyable. 2021, qu'est-ce qui se passe? Il qualifie la Juve en Ligue des Champions. Ouais, non, 2022, troisième meilleur buteur de la Première Ligue. Okay. Et là, on en est là. Ok. Voilà. D'accord. Merci, c'est bon, c'est fini. C'est bon? Ouais. Ah, excuse-moi, pardon. Ouais. Pardon. Voilà. Ouais, c'est bon. On peut parler de... Voilà. Du coup, on n'a même pas besoin du classeur. Voilà. Merci, Elton. Merci. Alors... Pourquoi le gant, Sofiane? Je voulais le terminer. Je voulais finir cet argument. Et t'es content parce qu'il ne va pas jouer contre le Barça? Alors, je vais répondre à The Josh, ils l'ont fait exprès. Pas du tout. Non. Sache vraiment que tout ça, ouais. Ça aussi, ça ne s'apprend pas à l'école. Etc. Vous pouvez faire toutes les écoles privées à 8000 euros l'année que même vous voulez. Même toutes les émissions, etc. Hein. Ça improvise pas. Allez-y, tranquille. Comme incroyable quand vous êtes parti. Ça aussi. T'es un peu petit, Sofiane, par contre. Grand par le talent, mais t'es un peu petit sur le... Sur la chaise? Ouais, sur la chaise. Non, dans la vie. J'étais petit très longtemps, maintenant je suis dans la moyenne. Ah ouais? Ouais. C'est qui le plus grand? C'est toi ou c'est moi? Moi, c'est moi. Fais voir. Je fais un 73. Non mais c'est bon, arrête. Ouais, non, c'est bon. Je suis baladé, mais c'est bon. Ouais. Ouais, j'ai envie de savoir. Calme-toi. Bref, le sommaire de ce WFC, les amis de ce mag, on va évidemment parler de Cristiano Ronaldo, qui a donné une interview hier à Piers Morgan, c'est The Sun, oui. Oui. Donc voilà, il y a plein de déclarations qui sont sorties. Même si l'interview complète qui dure une quarantaine de minutes sortira mercredi ou jeudi. C'est ça. Si je ne dis pas de conneries, on reviendra sur pas mal de déclarations. Ensuite, on se posera la question sur... très peu de chances de le voir porter le maillot de Manchester United à nouveau après la Coupe du Monde. Est-ce que c'est une fin tragique? On fera un peu le bilan de son retour à Manchester United. Ensuite, comme d'habitude, comme chaque mag, la masterclass et la disasterclass du week-end. On fera un petit tour d'Europe, on va parler de la Juve qui enchaîne. On va dire du bien sur la Juve. Bah oui, non. Rares sont les fois où la Juve et la masterclass du week-end. Quand il fait beau, quand il pleut, il pleut. On aurait pu mettre l'Olympique de Marseille. C'est bello. De par le match, le scénario, évidemment. Et on fera Chelsea qui a perdu sur la pause de Newcastle. C'est la disaster class du WFC. La question écœurante, Thuram, c'est l'information, Thuram a été appelé ce matin en équipe de France. Il fait son retour en équipe de France comme en 2006. Et est-ce que c'est un coup dur pour un nouveau coup dur pour Jonathan Clauss, nouveau désaveu. Ouais, encore une fois à son poste. Hein. Pour Jonathan Clauss. Voilà pour le sommaire de ce WFC. Évidemment, la chronique de Tom en fin d'émission, Border Terrain, avec une petite surprise. Je crains le pire. Un reportage. Je crains le pire. Bande-annonce d'un film qui va sortir dans peu de temps. Donc voilà, soyez bien. Juste avant de commencer l'émission, très rapidement, parce qu'il faut qu'on la commence à un moment donné, c'est qu'encore une fois, on ne demande pas à faire une émission sur Ronaldo. Vraiment. C'est-à-dire on n'a rien demandé. Ah, c'est offert. Non, mais c'est qu'encore une fois, c'est pas... Parce que pendant toute la saison, on nous a dit... vous faites du Ronaldo bashing, etc. Bon, on va en parler. Hein. Mais encore une fois, on nous donne, c'est quand même le monsieur qui va... Le journaliste est dans une notion de relais. Voilà, exactement. Oui, mais c'est le journaliste a expliqué que c'était vraiment Ronaldo qui avait envie de faire cette interview. Ouais. Donc voilà, c'est pas voulu. On aurait bien aimé. Le WFC suit l'actualité. On aurait aimé parler de l'Olympique de Marseille, on aurait aimé parler plein de choses. Et puis même, on aurait bien aimé parler de Manchester United qui est sur une bonne dynamique et qui est revenu à 6 points de Manchester City. D'ailleurs, il y aura le générique à la fin de l'émission, avec tous les remerciements. Un rédacteur en chef, il y aura marqué Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Puisque c'est le rédacteur en chef de cette émission. D'accord, non, c'est juste pour. À un moment, c'était Mbappé. Il a été viré. On a mis Cristiano Ronaldo à sa place. Voilà. Il a dit aujourd'hui on fait ça, je dis pas de soucis, no problem. Voilà, c'était juste ça. On y va? Oui. Du coup on parle de Christian? Oui. Dans le décrassage? Allez. Allez, c'est parti.
Et on va saluer tous nos Winamis qui sont presque 1100 sur le live. Il y a Julien, Jawad Fakiri, Mathieu Danint, je viens d'arriver. Elton s'est excusé. Non. S'est excusé par rapport à quoi ? Elton ne s'excuse pas. Sofiane Horizon qui nous dit. Elton ne s'excuse pas, il constate. Marseille, ouais, bah, désolé pour les supporters marseillais, mais on s'adapte. Redmex, Abdel, Raymond, salut à tous les Winamis. C'est pas CR7 qui vous donne du contenu, mais c'est vous qui choisissez. Oui. On choisit parmi le contenu que l'actualité foot nous offre. Le football est au-dessus de nous. Et l'actualité aujourd'hui, c'est Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas, je sais pas moi, le match nul entre Nantes et Ajaccio, par exemple. Ou la remontée de Leipzig. Par exemple, oui, ça j'ai même pas en tête. Non, ça ne t'intéresse pas, Leipzig ? Ah si, tout m'intéresse. Non, ça ne t'intéresse pas. Oh, si, Non, bah, tu ne montes pas beaucoup d'entrants. Bon, bah, ça ne m'intéresse pas, Leipzig. Ouais, ouais. Aucun match de Leipzig, c'est ça. Non, mais mettez un maximum de likes, les amis. C'est important pour le WFC. On est presque à 100 likes, voilà, ça permet de mieux référencer cette émission sur YouTube et sur Internet. C'est vous qui donnez la force à cette émission. On approche de la Coupe du Monde, on aura besoin d'un maximum de soutien possible avant ce joli mois qui se profile. Le dispositif, on va vous l'expliquer au fur et à mesure de la semaine, mais on sera là les matins, les matchs recommandés, on sera également là le soir pour les débriefs. Donc envoyez un maximum de pouces pour booster cette émission. Bref, on va démarrer du coup. Ce débrief de l'entretien de Cristiano Ronaldo, même si ce n'est pas un entretien complet, on le répète, il va sortir en deux parties. Cette interview de Cristiano Ronaldo dans The Sun, au micro de Piers Morgan. On attendait énormément les explications de Ronaldo pour essayer de trouver des explications sur le traitement et l'affaire Cristiano Ronaldo Manchester United, où ça ne se passe pas très bien cette saison. La première déclaration que je vais vous mettre, en gros, c'est le pourquoi de l'interview de Cristiano Ronaldo. Il s'adresse aux fans. Je vous la mets à l'écran, cette première interview. Je remercie Pierre et... c'est Arthur en régie, c'est même pas Non, c'est Nixo. C'est Nixo, ouais. Pardon, excuse-moi Nixo, pardon, je suis désolé. Donc, Ronaldo, je pense que les fans doivent connaître la vérité. Là, il a mis un petit post Instagram il y a quelques... Oui, mois, où il disait... Un jour. Je où il parle, disait ouais. qu'il allait parler. Les fans sont tout pour moi. C'est pourquoi je donne cette interview. Parce que je pense que c'est le bon moment pour dire ce que je pense. Est-ce que c'est le bon moment C'est très d'avoir important. Donné cette interview C'est très important d'en parler parce que tu as Piers Morgan qui est donc l'intervieweur qui s'est exprimé ce matin du côté de TalkSport. Donc, il a dit qu'on ne reverrait plus... Ouais. Non, ouais. Ronaldo avec le même Manchester. Hein. Ça paraît compliqué, mais il a surtout dit que l'interview, donc, elle a été calibrée, millimétrée. Voilà, c'est du Cristiano Ronaldo, à savoir qu'on ne laisse pas place à l'incertitude. Et surtout sur la nature du timing, elle a été définie par le clan Cristiano Ronaldo, à savoir qu'il y avait un mois entre aujourd'hui, donc bah, hier plutôt, et le prochain match de Manchester United. Donc ça a laissé du temps pour pouvoir réparer ce qui était réparable, entre guillemets, parce que je ne sais pas ce qu'on pense au Cristiano Ronaldo. Il y a encore dans l'idée que lui, pour l'instant, il n'est pas encore parti. Donc, par rapport à ça, il s'est dit que donner cette interview maintenant, c'était le bon moment. Moi, quand je me suis posé la question du timing, Sofiane, de ouais. l'interview, il ne l'a pas donné pendant que Manchester jouait. Ouais. Il ne l'a pas donné en milieu de la campagne de la Ligue des Champions. Il ne l'a pas donné de Ligue Europa. Ouais. Il a attendu, entre guillemets, la fin de la phase aller, mais ce n'est pas vraiment la fin, avant la Coupe du Monde. Est-ce que c'est un bon moment pour Non, mais déjà, pour moi, il y a... On reviendra sur le contenu de l'interview parce qu'il peut y avoir des moments où on peut être d'accord avec lui et d'autres où on peut se poser des questions. Moi, le timing, à la limite, je m'en fous. C'est vrai que le faire oui, mais il est important, là... vu le contenu de l'interview, non, mais vu l'exposition médiatique. Il envoie, on est quand même sur une interview où il dit « j'ai aucun respect pour Erik ten Hag, j'ai envie de te dire qu'il la fasse en août, en septembre, en octobre ou en novembre », c'est exactement la même teneur d'interview. Parce que tu pourrais aussi considérer que là, on est dans une période un peu plus positive du côté de Manchester United et que la sortir maintenant, pour moi, c'est aussi un mauvais moment. Donc, si elle sort, déjà, moi, au-delà du timing, j'ai envie de savoir pourquoi cette interview sort. Parce que s'il y a un manque de communication, s'il se sent obligé de donner toutes ces explications, c'est qu'avant, il y a eu un manque quelque part, soit de sa part, soit de la part du club, soit de la part du coach. Okay après, on reviendra sur les... Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites ouais. sur lui qui n'étaient peut-être pas vraies. Ouais. Mais après, le problème, c'est quoi ? Des médias ou du club. Thomas, quand il y a un manque de communication, les autres parlent à ta place. Je pense qu'un mec aussi
soucieux de son image, aussi soucieux de sa communication pendant toute sa carrière, et un mec qui contrôle le moindre recoin de sa carrière, que ça, d'un point de vue sportif ou d'un point de vue communication, je ne peux pas croire qu'il ait laissé planer le doute sur une question aussi importante que celle-là avant le début de saison, pour qu'on se retrouve aujourd'hui, en novembre, à devoir s'expliquer devant tout le monde. Donc c'est ça la question, au-delà du timing, c'est est-ce qu'il y a un manque quelque part ? On ne dira pas que c'est tout de sa faute, évidemment, parce qu'on reviendra sur les détails de chaque déclaration. Et avoir rien mangé dans les interviews. Moi, là où ça me dérange... Moi, je pense que c'est tout, en fait. Tout ce que tu dis, c'est cet ensemble qui fait ce qui a... Mais l'ensemble, il a quel âge, Cristiano Ronaldo ? 38 ? 37. Ok. 37. À 37 ans, il découvre la machine médiatique ? À 37 ans, il découvre que quand tu communiques pas ou que tu communiques mal, pardon, les autres vont communiquer à ta place. Je pense qu'il ne faut pas le prendre pour un débile. Il a des conseillers en communication, il est lui-même intelligent sur sa communication. Si aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il doit tout déballer dans une interview, d'ailleurs, où sincèrement, il mélange un peu tout parce qu'il te parle de son cas personnel, après, il te parle de la situation de Manchester United, il joue le directeur sportif, il joue le joueur, il joue le joueur blessé, il joue plusieurs rôles dans une même interview. Donc déjà, je la trouve... intéressante mais floue. Mais s'il y a un souci à ce niveau-là, pour moi, il n'est pas au niveau du timing, il est au niveau de ce qui s'est passé cet été et où il a été, bien évidemment, à des circonstances atténuantes éventuellement, mais il a été défaillant sur sa carte. Mais Elton, du coup, c'est pas... Enfin, moi, je trouve ça bien de faire cette interview parce qu'au moins, on ne parle plus à sa place. Beaucoup de personnes, que ce soit au club ou dans les médias, même nous, on parlait à la place de Cristiano Ronaldo. Là, au moins, on a un bout de sa version et on aura sa version. Parce que déjà, c'est un exercice compliqué dans la mesure où on a pour l'instant des extraits. Où on a quand même... On a des gros extraits. Mais moi, j'ai envie d'agencer cette interview, c'est-à-dire avoir l'interview complète pour pouvoir définir la tendance, définir comment elle a été, la dynamique. La tendance, on peut la deviner. On peut lourdement la deviner. Ce que je veux dire par là, c'est dans quel contexte ça s'inscrit. C'est pour ça que moi, ça me paraissait très intéressant de voir l'intervieweur s'exprimer publiquement, notamment sur les coulisses des interviews, pour comprendre. Parce que si on prend à froid, non, si on prend notamment à chaud, notamment les interviews, on se dit, mais c'est un suicide médiatique. C'est une médiatique pour Cristiano Ronaldo qui sait très bien qu'à partir du moment où il est dans un mauvais timing, parce que Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui s'exprime le soir où Manchester United gagne une victoire importante sur la pelouse de Fulham et surtout dans un redressement au niveau du classement. Donc le timing ne joue pas en sa faveur. On parle d'un joueur qui dit qu'il manque délibérément de respect à son entraîneur. Donc forcément, il est sur la défensive. Le discours ne plaide pas pour lui. Et par contre... ce qui me paraît très intéressant, c'est de comprendre quelles sont les explications autour de ça. Walid, le timing. Moi, le timing, entre guillemets, en détachant du contenu, je le trouve pas mauvais. Non, mais de toute façon... Après tout, juste pour finir, le choix... Du média ? Du média. Alors là, moi, je peux te dire Cristiano Ronaldo, 37 ans, professionnalisme, il n'y a rien à dire. Mais aller au Sun, franchement, moi... Tu vois, rien que pour la figure de Cristiano Ronaldo, j'aurais espéré qu'il fasse mieux que le Sun. C'est quoi ? C'est de la pression sensationnelle ? Il y a encore 7 ans, il mettait des femmes en petite tenue en troisième page. Tu vois, moi, si tu tapais Cristiano Ronaldo, je n'avais pas donné une interview au Sun. Par rapport au timing, moi, sincèrement, encore une fois, j'aurais préféré que Cristiano Ronaldo parte de Manchester United. Et s'explique après ? Et s'explique après. Ou même qu'il fasse un livre dans un an. Parce qu'aujourd'hui, en fait... alors il y aura encore une fois un débat très très clivant là-dessus. Il y a des pros Ronaldo aujourd'hui qui ne veulent pas entendre beaucoup de choses. Moi, je vais me placer toujours et toujours du côté du club et de Manchester United plutôt que Ronaldo, je l'assume, parce que pour moi, encore une fois, l'institution et Manchester United est beaucoup plus important et sera toujours beaucoup plus important qu'un joueur. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo nous raconte, c'est intéressant hein, sa version, parce qu'il y a des choses, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a des choses intéressantes. Il y a à boire ou à manger. Il y a un constat sur Manchester United qui est implacable. On le partage. Un constat qu'on partage, un constat qu'on a dit depuis très très longtemps. Il a raison, entre guillemets, sur United. On en parlera après. Mais le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la version de Ronaldo. Et dans la version de Ronaldo, alors attention, on va mettre de côté tout de suite son cas perso. Et notamment sur les trois. Quand il explique qu'il a eu du retard par rapport à sa pré-saison parce qu'il a eu un problème avec sa fille, c'est personnel, etc. Et encore une fois, je répète pour tous les pro-Ronaldo, parce que depuis tout à l'heure, il y en a qui l'expliquent. Parce que Soufiane a raison de le dire, un joueur comme Ronaldo, aussi important que Ronaldo, s'il ne communique pas sur ce genre de choses,
C'est quand même assez important dans la vie d'un joueur. Sans rentrer dans les détails, en plus, il peut totalement dire qu'il a des soucis personnels. Il n'avait pas communiqué, on ne le savait pas, je peux m'excuser et je m'excuse là-dessus. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas oublier que dans cette fameuse préparation de 3 semaines où il n'est pas venu, entre 3 et 4 semaines notamment, le board de Manchester United a accepté. Et est-ce qu'on se rappelle, il y avait la cause des raisons familiales, oui, au début qui avait été avancée, oui, d'accord, et qui lui avait permis entre guillemets de ne pas revenir aussitôt, ok. Sauf qu'ensuite il y a eu quand même un laps de temps assez énorme entre le timing que Manchester United lui avait accordé et son retour, son véritable retour. Et comment il fait son retour? Et surtout, je vous le dis de source sûre, son départ et sa volonté de partir à Manchester United était réel. Peut-être que, comment dire, ça a été alimenté. Est-ce que ça a été une volonté réelle contrainte par le fait que Manchester, parle tout à l'heure, a voulu le faire partir? Alors ça, on n'en sait rien. Mais il le dit. Encore une fois, c'est la version du club contre la version de Ronaldo. Aujourd'hui, la version de Ronaldo, c'est de dire, aujourd'hui, entre guillemets, j'ai été trahi. Peut-être qu'il voulait partir de Manchester United parce qu'il n'a pas senti de l'empathie à cause de son cas personnel, ce que je peux comprendre si c'est Ronaldo. Mais nous, ce qu'on avait expliqué à l'époque, c'est qu'il avait une vraie volonté de partir et que Jorge Mendes avait vraiment sondé énormément de clubs pour partir. Okay. Et que la thèse, moi, que j'avais eue comme écho, des sources quand même assez, assez solides, c'était parce qu'il n'y avait pas la Ligue des Champions. Et parce que parce qu'il y avait un déclassement de la part de Manchester United, assez chronique. Donc peut-être qu'aujourd'hui, mais il faut vraiment rappeler que son cas personnel, Manchester United l'avait pris en compte dans son retard de, il y a une communication officielle, donc déjà par rapport à des déclats, dans son retard, c'est une réalité. Maintenant, bien évidemment qu'on est peiné, et en plus, encore plus, pour Ronaldo, parce qu'il a eu un déclat assez énorme l'année dernière, avec la perte de son enfant. La pire chose pour un être humain. Ça, la réalité, elle est là, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, la suite sur son départ et sur son réel départ, elle est toujours, c'est quelque chose d'avéré au club, autour du club. Bah, je vais te dire, regarde, pour aller plus loin, s'il se sent trahi, il faut qu'il nous explique clairement dans quel sens. Peut-être qu'on aura les explications dans l'interview beaucoup plus globale. Mais dans un cas aussi grave qu'il a vécu personnel, qui peut arriver d'ailleurs à beaucoup de joueurs, alors ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être aussi des problèmes familiaux, ça peut être, on l'a vécu dernièrement malheureusement, des maladies très graves. Il n'y a pas un club où il n'y a pas une union autour du joueur, parce que le club, il a tout intérêt. Même, je vais aller encore plus d'un point de vue... La grosse maladie de Fletcher, là, Manchester United, aussi. Récemment, ouais. Si tu regardes parce bien, le club a fait réunion. Moi, je veux bien entendre que Manchester United, il y a des manques à beaucoup de niveaux. Mais si un endroit, moi, je trouve, où on ne peut pas douter de ce club-là, notamment de ce club-là, il y en a d'autres, évidemment, c'est le respect de l'histoire personnelle de tous les joueurs. Et juste, je finis, parce que c'est super important. Là, on part sur une idée... Parce que j'ai l'impression qu'on laisse planer le doute sur le fait que Manchester United n'ait pas respecté ce qui lui arrivait d'un point de vue personnel. Je ne veux pas le croire une seconde. Certaines déclarations en pré-saison ou en début de saison. Mais en pré-saison, on a été les premiers à dire que Ten Hag a toujours voulu, en disant publiquement qu'il a toujours voulu de Ronaldo. Mais même des fois, c'était à l'extrême en disant, que Ronaldo, on ne comprenait pas certains agissements. Mais ça, on l'avait dénoncé sur Ten Hag. On l'avait dénoncé, il a toujours protégé publiquement Ronaldo, Ten Hag. Juste fini, parce que là, je me place du côté du club. D'un point de vue déjà humain, tous les clubs maintenant, quand il y a des cas aussi graves, ils soutiennent leurs joueurs, et encore plus quand c'est Cristiano Ronaldo et quand il y a cette image et cette importance. Et si on va encore plus dans le côté cynique, parce qu'il y en a qui diraient ils le soutiennent par intérêt, mais même par intérêt, le club a tout intérêt à soutenir pour son image publiquement son joueur qui a des problèmes personnels, et même d'un point de vue économique, puisqu'on doit rentrer dans cette variable aussi cynique. Moi, je ne vois pas Manchester United prendre le problème par-dessus la jambe en disant, allez toi, avec tes problèmes personnels, dégage de là, on s'occupe pas de toi. Il perdrait la bataille médiatique. Donc attention à cette façon aussi de considérer un club et de laisser planer le doute sur le fait qu'ils n'ont pas été bons à ce niveau-là. Ils ont peut-être pas bons sur toute la ligne, mais sur ce côté-là, moi je peux pas le croire. Surtout que c'est pas un cas ordinaire. Surtout après, moi, le fond de ma pensée très rapidement
sur l'interview, ça m'appartient, hein, bien évidemment. Est-ce qu'on a tendance, vous voulez croire Ronaldo ou pas dans ça? Mais non, mais moi, j'ai pas, encore une fois, à croire ou non Ronaldo. Moi, tu veux que je te dise, moi, les échos que j'ai des joueurs dans le vestiaire et de Ten Hag, ils ne comprennent pas la sortie de Ronaldo hier. Donc, encore une fois, qu'est-ce que tu veux? Comment on va opposer, ouais. On va opposer la version de Ronaldo et la version de Manchester United et d'un vestiaire? Encore une fois, comment nous on peut se positionner? On n'a pas à se positionner. Maintenant, moi, le côté factuel, encore une fois, je mets de côté son côté personnel, qui est très très grave et qui, comment dire, et là je peux totalement le comprendre et j'ai beaucoup d'empathie envers Cristiano Ronaldo. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, on peut pas tout mélanger non plus. C'est-à-dire que quand tu regardes Thomas, le problème principal de Cristiano Ronaldo depuis le début de saison, c'est son niveau de jeu. La réalité, elle est là. Si Ronaldo jouait avec Manchester United et claquait des buts depuis le début de saison, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait une sortie aussi, comment dire, importante. Jamais de la vie. En tout cas, c'est jamais mon avis. Jamais de la vie. En tout cas, c'est il mon parle avis. Pas de manque de respect. Si quand il parle dans l'interview, j'ai essayé de me le faire traduire par Romain Bédoux, qui est bilingue, parce que moi, j'ai pas tout compris. Quand il dit notamment que il n'a pas senti une réelle envie à Manchester United de le garder. Parce que, entre guillemets, il y a eu des pour et des contre pour le fait de garder Cristiano Ronaldo en fin de saison. Ce qui arrive dans tous les clubs du monde. Moi, je pense qu'il y a... Mais c'est normal pour une légende comme Cristiano Ronaldo, un mec qui a marqué autant l'histoire de son sport. Il a pu être, comment dire, blessé dans son amour propre. Mais le problème, c'est que dans toutes les émissions du monde, d'accord, dans toutes les discussions du monde, après la fin de saison, quand t'as un joueur qui a 37 ans et qui a un nouveau coach qui arrive comme Ten Hag, tu peux avoir un audit dans un club en te disant, on fait quoi avec Cristiano? Ok, il nous a mis 18 buts, mais collectivement, qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions qu'on a posées, nous, dans cette émission. Alors, sauf que peut-être que Ronaldo, ça a commencé à en découler là-dessus, où il a, comment dire, il a... Crime de lèse-majesté. Crime de lèse-majesté. Comment vous pouvez... J'ai vu certaines personnes dans ce club vouloir mon départ. Et peut-être que ça a commencé de là. Plus le côté Ligue des Champions, plus les problèmes personnels, et ça a fait un tourbillon. Justement. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il a eu un coach qui, pour moi, en tout cas publiquement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas publiquement, parce que là, aujourd'hui, Ronaldo ramène ça sur la place publique. Ouais. Publiquement, pour moi, Ten Hag a tout fait parfaitement pour Ronaldo. Il n'a jamais manqué de respect à Ronaldo. Et je l'ai déjà expliqué, si on fait, tu parlais de classeur tout à l'heure, le nombre de fois où Cristiano Ronaldo a manqué de respect à Ten Hag et à Manchester United cette saison, je pense qu'il y a beaucoup plus du côté de Ronaldo que de Ten Hag. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Ten Hag a réussi à mettre une dynamique avec Manchester United sans Ronaldo et que Ronaldo vient aujourd'hui mettre un bazar immense à Manchester United, dans Manchester United. Et le problème, c'est que, à part, et moi je reprends une phrase de Ferguson, parce que c'est Ferguson, il faudra en parler de Ferguson dans l'émission. C'est Ferguson là, qui a dit. Là, on a déjà fait beau, on a fait 20 minutes, donc on ne pourra pas tout dire. C'est Ferguson qui a dit à Ronaldo de ne pas aller à City et d'aller à Manchester United. Ferguson a dit en 2013, quand il y a un joueur, d'accord, qui est au-dessus du manager, il doit partir de Manchester United. Totalement. Et si aujourd'hui, et moi je me place du côté de Manchester United, bah après, bien évidemment, il y aura les fanatiques et le fanatisme Ronaldo. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Pas les supporters d'un club, les supporters d'un joueur. Le joueurisme ira sur Ronaldo. Mais si tu te places du côté de Manchester United, avec ce qu'il a fait hier, en disant qu'il a aucun respect pour son coach, ça dépasse tout. Alors, les amis, sur le chat, je savais, c'est pas... forcément les plus agréables des émissions. C'est pas grave, mais c'est pas grave, Thomas. On s'en fout. Non, je m'en fous. Non, mais il y a des pour et des contre, on s'en fiche. Quand les mecs sont là, machin, non, ils remettent en doute les échos que tu peux avoir. Ils se moquaient de... Oui, Walid a des échos du football. Et pour le coup, moi je peux en avoir à Marseille, comme Sofiane peut en avoir pour Lyon, comme Elton peut en avoir. C'est pas parce qu'on est sur YouTube. C'est bizarre, hein, sur Benzema et Ronaldo, il y a deux semaines, on m'avait dit la même chose. C'est pas parce qu'on est sur YouTube que nous ne faisions pas un travail de journaliste comme et tout le monde. Et pour le coup, laissez-moi parler, les gars. Donc, c'est toujours les journalistes qui sont pas bien, on a nos informations. On va pas exagérer. Là, on nous offre quelques parties d'interview qui illustre parfaitement la teneur globale de l'interview qui va sortir mercredi ou jeudi. Donc voilà, cessez de machin, il n'y a pas de pro, il n'y a pas de... Non mais après on s'en fout, ça. Oui mais il faut le faire quand même, Sofia, je suis désolé. Parce que moi, passer une émission, avoir des mecs qui... Non mais il y a des avis différents, on s'en fout. Il y en a... Pas de problème. Alors, on va avancer. Pour terminer, juste pour aller dans le sens... Mais là, si on fait que 30 minutes sur chaque question... Juste pour aller dans le sens de Walid, et là, pour le coup, il ne pourra pas mentir, puisque j'ai écouté les vocaux donc, de la personne qui est vraiment
très proche de Cristiano Ronaldo et qui expliquait déjà c'était quoi il y a 3 semaines ce qu'a dit plus ou moins Cristiano Ronaldo sur la nature du club. Ah, après, donc pour le coup, je les ai écoutés ses vocaux et c'est une personne qui a été vraiment proche dans le vestiaire de Cristiano Ronaldo. Donc là, pour le coup, les gens nous parlent pas. Nous avons des informations, nous avons les informations que l'on a, on n'en fait pas des caisses, on les exprime pas. Et encore une fois, Thomas, je me placerai toujours du côté club que du côté joueur. On a énormément de respect pour Ronaldo, c'est triste ce qui se passe. La vérité, c'est ça. Et tu l'as dit, tu nous l'as expliqué en plus en message hier. C'est triste de voir une légende comme ça, etc. Ah, moi, ça m'a pas fait plaisir. Non, mais ça nous fait pas plaisir. Il donne sa vérité est là. Maintenant, encore une fois, c'est pas tout noir, pas tout blanc. Des deux côtés, tout simplement. Et on est là pour le décrypter. Et du côté de Manchester United, je vois, moi, tout ce qui se dit, tout ce qui se lit depuis ce matin. Aujourd'hui, c'est l'avenir de Manchester United qui est important. Mais il se fait défoncer en Angleterre, c'est un truc quand même. Hein. Exactement. Mmh. Non, mais parce qu'en Angleterre, ils ont le droit, d'accord ? Tous les mecs, hein. Parce que parler de Wayne Rooney, parler de etc. Tout ce qui se passe. Le manque de respect à Rooney. Non, mais là. Si aujourd'hui les fanatiques, hein, parce qu'il y a des choses qu'il a dit de bien hier, on va le décrypter, sont unanimes pour dire que c'est incroyable et Ronaldo a tout vrai, tout bon, etc. Restez dans votre monde des bisounours. Il y a aucun problème là-dessus. Nous, on est là pour avoir un recul objectif et pour essayer de dire les choses, tout simplement. Après, si vous n'êtes pas content, encore une fois, je répète, hein, on est là pour dialoguer dans le respect ceux qui sont pas d'accord. Il y a aucun problème là-dessus. Et puis ceux qui sont, comment dire, ceux qui veulent insulter, etc. Mais sortez du live, allez voir d'autres émissions, allez voir ce qui se dit en Angleterre, allez voir partout. Non, il n'y a aucun problème. Nous, on met la pression sur personne pour nous suivre, pour suivre le mag. Il n'y a aucun problème. Avez-vous été convaincu par les explications de Ronaldo ? C'est assez serré, vous êtes 55% à estimer que oui, vous avez été convaincu par Cristiano Ronaldo. On est là juste pour dire ce qu'on pense. D'accord, pas d'accord, vous pouvez le dire. Il y a la manière pour le dire, parce que moi, personnellement, j'ai vos messages en plein dans la tronche, juste en face de moi. Donc voilà, si on venait vous insulter comme ça en plein dans votre travail, je suppose que ce n'est pas forcément agréable. Donc pensez que nous, on travaille. Voilà, c'est notre travail, on ne dirait pas des fois, mais c'est quand même notre boulot. Donc voilà, on va continuer du coup, parce que la première grosse déclaration qui a fait parler, c'est celle que je vous mette à l'écran, ce « betrayed », enfin, il s'est senti trahi. Notre ami Cristiano Ronaldo, Manchester a tenté de me forcer à partir. Pas seulement le coach, mais 2 ou 3 personnes autour du club. Je me suis senti trahi. Je n'ai pas de respect pour Ten Hag. Si tu n'as pas de respect pour moi, je n'aurai jamais de respect pour toi. Il a enclenché sur Ten Hag. Tu en as parlé, Walid, de la relation et du respect. Toi, tu parlais de respect de Ten Hag pour Ronaldo, si je ne me trompe pas, à droite, sur... Les torts à partager sur cette affaire entre Ronaldo et Ten Hag. Non, il n'y a pas pour moi de tort à partager, à savoir que... S'il y a problème, c'est qu'il y a des... Pour moi, c'est ma conviction, et je parle en mon nom, c'est qu'à un moment donné, la situation de Ten Hag est quand même très compliquée, parce qu'il est question de quoi ? Il est question d'un entraîneur dans un club qui est à la relance, un grand club qui est à la relance, et donc il y a une situation qui est difficile d'un point de vue collectif. Et à côté de cette réalité-là, il y a une réalité qui est encore plus épineuse au niveau individuel, c'est accompagner, on va le dire parce que ce n'est pas un gros mot, la fin de carrière d'un joueur. La fin de carrière d'un joueur qui subit un déclassement sportif. Parce qu'il est question de ça. L'interview tourne autour d'un joueur qui n'accepte pas ce déclassement sportif. Parce que lui peut penser que, eu égard à ses stats, il a encore des choses à montrer par rapport au club. Mais la réalité, et là pour le coup, on a un gros échantillon sur la première partie de saison, c'est que les faits sont têtus. Manchester United avance mieux sans Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas faire injure à Cristiano Ronaldo, c'est la loi du football, c'est la loi du sport, c'est la loi du sport du haut niveau. Et maintenant, le tort de Ten Hag, c'est quoi ? Le tort de Ten Hag, c'est d'avoir voulu une vision collective et d'avoir travaillé là-dessus, d'avoir travaillé sur une vision collective où Manchester allait avoir des résultats. Et par rapport à ça, Cristiano Ronaldo s'estime en marge. Maintenant, du côté de Ten Hag, qu'est-ce qu'on doit faire ? À côté de cette réalité collective, à côté de cette réalité sportive, on doit accompagner une forme de déclassement en faisant dire quoi à Cristiano Ronaldo ? En expliquant que, par rapport à ça, il y a une dynamique qui s'installe. Ok, tu n'auras peut-être pas un protagonisme important, ça va être compliqué pour toi, mais ne lâche pas. Et là, on voit un joueur qui, à plusieurs reprises, a eu des sauts d'humeur. Je vous renvoie à ce qui s'est passé contre Tottenham. Je vous renvoie à ce qui s'est passé hier. Et malgré ça, Ten Hag a essayé de composer. Je vous rappelle que Ten Hag, il n'a pas fait rentrer face à Manchester City par rapport au respect qu'il réclame. Donc, tu vois bien que c'est un cas qui est très épineux parce qu'il est question de quoi ? Il est question d'accompagner un joueur qui subit un déclassement sportif et qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Ça fait écho à l'article que j'ai lu ce matin du côté de ESPN, un insider, Mark Ogden, si je prononce bien. Aujourd'hui, la réalité pour un Cristiano Ronaldo,
c'est qu'on parle d'un joueur qui est en difficulté sportive et qui cherche à trouver une solution à un problème qu'il a créé. Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui n'accepte pas son déclassement sportif. Sofiane. Moi, sur Ten Hag, c'est la déclaration où, pour moi, il dépasse les limites. C'est que si on peut considérer qu'il peut y avoir un problème entre deux personnes, comme dans tout club, bien évidemment, c'est un problème qui restera, pour moi, qui doit rester d'ordre privé, pour plusieurs raisons. C'est que, puisqu'il est attaché aux déclarations publiques et à tout ce qui se voit Cristiano Ronaldo, je pense que Erik ten Hag l'a largement protégé d'un point de vue public depuis son arrivée, plus même que de raison, parce que même moi, je trouvais qu'au début, alors que j'espérais, entre guillemets, qu'il fasse une sorte de transition vers un départ de Cristiano Ronaldo pour qu'il puisse imposer ce qu'il veut imposer tactiquement, je trouvais qu'il était encore trop attaché publiquement à Cristiano Ronaldo et ça me plaisait moyennement par rapport à ce qu'il voulait mettre en place. Donc si j'ai eu cette réflexion-là à un moment, c'est que globalement, publiquement, il a plutôt protégé. Deuxième chose, c'est que si tu veux te targuer de souhaiter le meilleur au Manchester United, ce qu'il dit dans l'interview, puisqu'il dit ça n'avance pas en interne, etc. Tu peux pas mettre comme ça ton coach, le coach actuel de Manchester United, tu peux pas l'envoyer au feu comme ça par rapport au respect que tu as du club. Parce que même si tu as un problème avec lui, si tu considères le club, si tu as un respect pour le club, si tu as un respect pour ce que doit être Manchester United, ne serait-ce que pour cette saison, puisqu'on est en cours de saison, tu ne peux pas envoyer un missile à ton coach de cette façon. Tu vas le fragiliser. Donc, pour moi, tu le fragilises, même si on a vu que dans le vestiaire, à mon avis, il y en a beaucoup qui sont contre le comportement de Cristiano Ronaldo, de ce qui est ressorti en Angleterre. Mais en tout cas, je trouve que là, il dépasse la limite par rapport à ça, quelles que soient les raisons qu'il a avec Ten Hag. Non, mais est-ce qu'on se rappelle, quand on parlait des déclarations de Ten Hag, je suis en train de me refaire un peu le fil, après le Rayo Vallecano, où il le défend, il dit « il n'est pas seul, c'est pas, il n'est pas parti de seul ouais. ». Il essaye alors de... qu'il quitte le match alors que déjà il quitte le match à la 45e minute. Là, on est à quel moment? On est en pré-saison. Mm-hmm. D'accord? On est en pré-saison. Il avait déjà atténué, il a toujours dit on a besoin de Ronaldo, j'ai besoin de Ronaldo. Mais c'était même des déclarations moi en interne où on se disait purée. Attends, on comprend pas tout, le mec il veut se barrer, il a encore envie en tout cas publiquement. Ce sont des déclarations qui ont eu lieu. Des déclarations qui ont eu lieu. Je parle quand même d'Erik ten Hag parce que là on parle de sportif. On n'a pas assez parlé de sportifs depuis le début, même hier. Je trouve qu'hier il ne parle pas de sportifs. Mais le cas, il est là. C'est que Ten Hag a toujours essayé de le ramener. Walid, il y a une semaine, il a le brassard. Hein. Toujours essayé de le ramener. Vous pensez que si sur le terrain, parce qu'on fera un peu son bilan tout à l'heure de son retour à United, parce qu'on a quand même l'impression que c'est terminé. Si sur le terrain, il avait répondu plus ou moins présent, parce que ses stats ne sont pas les mêmes que l'année dernière. Ça s'est pas passé comme mais l'année dernière, tout était parfait pour Ronaldo. La stature Ronaldo, ce qu'on racontait sur Ronaldo, il mettait ses buts. À chaque fois qu'il prenait la parole, il parlait de professionnalisme. Il disait ce qu'il disait. Et ça, on l'avait relevé. On l'a toujours valorisé quand il parlait de manque de professionnalisme. Quand il disait que les mecs, voilà, les jeunes, et moi, c'est des échos aussi que j'avais eu, les jeunes, ça travaille pas assez, etc. Faut que tu prennes soin de ton corps, faut que tu en fasses un peu plus, etc. Ça, c'est vrai. C'est un leitmotiv que Ronaldo a eu l'année dernière. De façon très très comment dire importante sur le club, on a toujours valorisé ça. Il mettait ses buts, il mettait ses pions. Et pourtant l'année dernière, parce qu'il en parle déjà, hein, il en parle dans l'interview parce qu'on en a pas parlé, mais Rannick. Et ça arrive. Non mais voilà, mais l'année dernière, il avait pas fait de déclaration sur Rannick alors qu'il y avait déjà eu des problèmes en interne. Pourquoi? Parce qu'il jouait. Pourquoi? Parce qu'il mettait ses buts et parce que la stature Cristiano Ronaldo était préservée. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, c'est Manchester United va mieux. Ronaldo va pas. L'année dernière, c'était Ronaldo va bien, Manchester United va pas. Et que, comme par hasard, médiatiquement, on n'avait rien de tout ça. On n'avait rien de tout ça. Et c'est ce qui me dérange, moi. C'est qu'encore une fois, comme je le dis depuis le début, alors bien évidemment, pour beaucoup, c'est très très dur de l'entendre. Parce que Ten Hag n'a rien fait dans le football aujourd'hui par rapport à Cristiano Ronaldo. Ouais, oui. Non mais c'est ce que les gens te disent, oui. Elton. C'est qu'il n'a rien fait dans le football. C'est que Cristiano Ronaldo, tu ne dois pas le traiter comme Marcus Rashford. Et puis Ten Hag, il n'est probablement pas parfait non plus. Ouais, bien évidemment, voilà. Ten Hag fait des erreurs. Ten Hag a fait des erreurs. Ten Hag a fait, comment dire, mais c'est, il en fera parfait. Des erreurs. Et il en fera. Il continuera à en faire. Mais aujourd'hui, je répète, là. Priorité de Erik ten Hag, c'est de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. C'est de redémarrer un nouveau cycle avec Manchester United. Et Walid. Aujourd'hui, Erik ten Hag est beaucoup plus préoccupé par un Garnacho, par exemple, et l'avenir de Garnacho, que de la fin de carrière de Cristiano Ronaldo. Walid, il est surtout là pour œuvrer au succès, pas pour accompagner la fin de carrière de Cristiano Ronaldo. Et ça, il y a des gens qui veulent pas le comprendre. Il est l'entraîneur de Manchester United. Pas de Cristiano Ronaldo, c'est pas l'entraîneur. On avance personnel. Du coup et dans c'est la. Et c'est bizarre aussi dans l'interview, pas un mot des Glazers.
pas un mot. Si, il en parle apparemment. Ah ouais, bah, mais en tout cas, là, dans ce qui s'est passé. C'est sorti, là, ouais. Là, il s'est sorti là. Ah non, d'accord, non, on doit attendre. Non, non, mais. Non, parce que. Non, mais de la direction, etc., qui a décidé qu'il le paye tous les mois, etc., pour l'instant, moi, en tout cas, j'en ai pas lu Walid. La réalité, c'est que Walid, le discours de Cristiano Ronaldo, notamment sur le volet par rapport à Ten Hag, il est inaudible pour la simple et bonne raison que c'est la vérité dans le football. Celui qui a raison, c'est celui qui gagne. Aujourd'hui, celui qui gagne, c'est Ten Hag. C'est pas Cristiano Ronaldo. Ça me fait. Il gagne. Il gagne pas tout le temps. Non mais il gagne pas tout le temps. Mais aujourd'hui. Ils sont cinquième en Ligue 1. Non, de par sa situation. Cinquième, ils avaient commencé. Non, Thomas, Thomas. De par sa situation, parce qu'il y a eu un début de saison qui a été catastrophique, ça on le dit, et que Ten Hag, il a su trouver des solutions pour inverser la tendance. Aujourd'hui, il fait son. Oh, j'irai Ronaldo. Ten Hag, il a le vent dans le dos. Tant qu'il aura le vent dans le dos, le discours que tient Cristiano Ronaldo sera inaudible pour beaucoup de personnes. C'est la tonalité notamment du côté de la presse anglaise qui constate juste qu'à un moment donné, quand c'est Ten Hag qui trouve des solutions et que Manchester United gagne, il y a un lien de cause à effet. Et quand Cristiano Ronaldo est sur le terrain et que Manchester United ne gagne pas, il y a aussi un lien de cause à effet. Sans dire que c'est Cristiano Ronaldo qui est le principal responsable. Et quelle image il laisse là aujourd'hui, même aux autres clubs, parce qu'il va partir là aujourd'hui. C'est pour ça, on en parlera après les gars. Juste laissez-moi driver un peu le truc. On va avancer du coup dans l'analyse de ces morceaux d'interview de Cristiano Ronaldo. Je vais répondre à la question que je vous ai posée. Enfin, on va voir les résultats. 75% trouvent cette sortie médiatique de Cristiano Ronaldo dramatique. C'est vrai que pour trouver des antécédents de telles interviews par rapport au standing de Cristiano... C'est pas le même standing. Oui, non, mais d'accord. Mais... Il y a 5 ballons. Non, mais ça me fait penser un peu, tu vois. Le standing du joueur par rapport à la sortie médiatique, c'est assez fou. On va continuer avec la déclaration sur Manchester United, du coup, cette fois. Il a parlé de la structure, de la façon de fonctionner de Manchester United, en parlant de Ferguson, qui lui a dit de revenir, de ne pas signer à City. Il le dit, ça aussi, dans les extraits d'interview qu'on a dit. Ferguson sait mieux que quiconque que le club n'est pas sur la voie qu'il mérite d'être. Je ne sais pas ce qu'il se passe depuis son départ. Le club n'a pas évolué. Zéro progrès. Le Manchester United a aussi ses torts, a aussi mettre en cause sur ce qui s'est passé avec Ronaldo, parce que oui, on peut être fâché, pas content sur Cristiano. Ouais. Moi, quand même, j'ai tendance à nuancer un petit peu, parce que ce qu'il a vécu, sincèrement, je le souhaite à personne. Mais personne ne souhaite à personne. Personne ne souhaite à personne. Il a perdu son enfant, et bien évidemment. Sa fille qui était malade, etc. Tu parlais de son entourage, il est tellement entouré qu'il aurait dû penser à communiquer. Moi, je pense que c'était peut-être pas forcément sa priorité première de communiquer, etc. Ça s'entend. Je nivelle un petit peu le taux de responsabilité de Cristiano Ronaldo. Mmh. Maintenant, sur Manchester United, est-ce que sur le board, l'entourage, sur Manchester le United, club en fait, peut être mis en cause? Le truc, c'est qu'il aurait dû faire 2 interviews. Parce que, peut-être d'ailleurs que c'est coupé en 2, mais en fait, s'il veut jouer le consultant, et il le fait plutôt bien sur ce qui se passe à Manchester United en interne, le manque de progrès, ce qui arrive tout simplement à Manchester United depuis plusieurs saisons, d'un point de vue organisation, les Glazers, etc., on pourra toujours le rejoindre. Je pense qu'on a fait 50 émissions sur Manchester United pour expliquer que c'est un club qui avait des défaillances en termes structurels, en termes d'organisation. Je veux dire, il n'y a pas besoin de Cristiano Ronaldo, même si c'est intéressant d'avoir son point de vue, pour le savoir. Tout le monde a dit, Mourinho, oui, tout le monde. Rangal, il y a deux choses. Il y a deux choses, moi, qui me dérangent, entre guillemets, sur ça. La première, c'est pourquoi tu en parles dans cette interview qui est là pour te justifier. Si c'est pour justement justifier ton comportement et dire que c'est tellement nul en interne que je me comporte comme ça, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et deuxièmement, du côté de Manchester United, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'ai oublié ce que je voulais dire, vous m'avez perdu avec vos trucs. On n'a rien dit, j'entends parler, ça me perd. Là, vraiment, on n'a rien dit. Juste pour rebondir là-dessus, mais... J'ai perdu. Non, mais sur cette thématique, évidemment que Cristiano Ronaldo, il a raison, parce qu'on n'a pas attendu Cristiano Ronaldo pour le dénoncer, à savoir qu'il y a un problème d'organisation du côté de Manchester United. Le club cherche une solution désespérément et cherche une solution par la voix de son manager. Et moi, j'aime à penser que ça va au-delà du manager, parce que quand on a dit que Ten Hag arrivait du côté de Manchester United, dès sa nomination, on a dit, les gars, très sincèrement, si vous pensez qu'il va transposer ce qui se passe de l'Ajax à Manchester United, c'est le meilleur moyen de perdre Ten Hag, parce qu'à l'Ajax, il y avait une organisation qui était rodée avec Van der Sar, avec Overmars, et Ten Hag était la dernière étage du fusée. Là, du côté de Manchester United, on doit trouver cette organisation. Mais vous savez, c'est quoi le drôle de paradoxe?
Le drôle de paradoxe, c'est qu'avec une organisation saine, compétitive, rodée, Cristiano Ronaldo ne revient pas en 2021. Elle est là, la réalité. C'est parce qu'il a aussi bénéficié de ça. Donc, tu vois, c'est quelque chose de très épineux pour Cristiano Ronaldo. C'est ce que je voulais dire, c'est si tu arrives dans ce club-là sans t'imaginer que c'est un club qui est quand même sur une forme de stagnation, même s'il a fait deuxième il y a quelques années, c'est un club qui est en train de stagner, voire de régresser. Et en plus, quand tu t'appelles Cristiano Ronaldo et que tu as cette expérience-là... Justement, il n'y a pas une occasion de rater du club de... Parce qu'un joueur comme Cristiano Ronaldo ne se gère pas comme tous les autres joueurs, quoi qu'on en dise. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Son retour... Est-ce qu'ils n'ont pas su capitaliser de la bonne manière sur son retour-là, sur tout ce qui s'est passé? Mais pour moi, l'année dernière, il le capitalise de manière cohérente. Mmh. Il arrive, il a quand même un impact sur les buts. Alors sur le jeu, on pourrait revenir sur ça, bien évidemment. Mais sur les buts, il est quand même important durant toute la saison. Après, tu rentres dans une phase différente où tu fais partir Rangnick, où tu ramènes un coach qui, entre guillemets, est reconnu comme étant un coach avec un projet de jeu et une façon de voir le foot. Donc tu rentres dans une phase numéro 2. Est-ce que je pense que c'est très difficile d'entamer cette phase numéro 2 sans vaisselle cassée ? Le problème, c'est que quand c'est que le club qui jette la vaisselle au sol, ça peut aller. Mais quand tu te retrouves avec un joueur qui n'accepte pas ça et qui le met sur la place publique, tu te retrouves avec une situation comme ça, une interview explosive. Mais la réalité, c'est que pour moi, je trouve personnellement que dans la gestion de Cristiano Ronaldo, à partir du moment où tu le fais venir, on pourra discuter éventuellement le fait de le faire revenir, est-ce que c'était une bonne idée ? Mais bon, quand tu as une possibilité de le faire revenir, tu le feras revenir la première saison. Pour moi, il est utilisé de manière cohérente. Mais la deuxième, si tu veux entamer un nouveau cycle... Bon, okay. Il peut y avoir de la vaisselle cassée. Je trouve quand même que globalement, Erik ten Hag s'en sort plutôt bien par rapport à la situation. Je vais répondre aussi à plusieurs questions aussi qu'on nous pose sur le chat sur le fait de faire cette émission aujourd'hui sans avoir l'interview complète. Comme on a dit, on suit l'actualité du foot. On a assez d'éléments tangibles, des déclarations qui viennent de la bouche de Cristiano Ronaldo qui ne sont pas relayées par plusieurs intermédiaires. Là, ça vient directement de la bouche de Cristiano Ronaldo. Oui, on a parlé que des déclats pour le moment. Voilà. Exactement, on a pris les déclats qu'on nous a donnés. L'interview complète sortira mercredi, jeudi. On va passer en mode Coupe du Monde, etc. Notre place éditoriale sera dédiée à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on se nourrit de quelques éléments. Peut-être que ce n'est pas bien de le faire sans avoir une interview complète, mais on a quand même des éléments tangibles et qui viennent de la bouche de Cristiano Ronaldo. Thomas, c'est un peu trop facile quand, encore une fois, l'intervieweur Piers Morgan dit que c'est Cristiano Ronaldo qui a délibérément voulu que ça sorte aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut savoir, parce que s'il voulait que l'interview complète sorte hier... Oui, et puis l'interview elle complète, sortie. Elle ne va pas faire ouais. 360 degrés à l'interview. Et l'interview complète, petit spoil, je pense qu'il y aura des trucs vraiment annexes par rapport à ce qui s'est dit hier. Oui, donc à un moment donné, c'est pas comme si toi, Piers Morgan, dans le dos de Cristiano Ronaldo, il avait dit « je sors l'interview et advienne que pourra ». Non, ça a été quand même bien commandité. Ouais, on est quand même dans le journalisme, mais pour vendre une interview quand même d'habitude t'envoies quand même les moments les plus importants, on verra demain il y a l'interview de Valbuena d'ailleurs qui sort, j'en profite parce qu'il y a beaucoup de monde sur le chat demain 17h Sofiane. Oui, tout à fait, interview de Mathieu Valbuena que j'ai la chance du très lourd je vraiment j'ai la chance vraiment. D'aller faire à Athènes. Je mettrai les meilleurs moments peut-être sur YouTube. J'ai dans l'idée que je vais pas mettre en extrait son passage à Libourne Saint-Séurin. Ouais. Ah. Voilà. Non mais. J'ai dans l'idée que tu vas vouloir valoriser ton produit. Évidemment. Et comme tu valorises ton produit, donc, tu vas mettre la déclat forte de l'interview. J'en profite. Bah, oui. N'hésitez pas. Donc demain 17h la sortie de l'interview de Valbuena que vous aimiez. Ou ne vous aimiez ou pas le personnage, vraiment ça. Ah moi je le dis, je peux pas m'encadrer, j'ai vraiment le coup pris d'œil. Du plaisir. On attendra évidemment vos retours sur toutes les interviews du Winamax FC. Très important d'avoir vos retours, c'est ça qui nous permet de continuer à vous offrir ce genre de format. Ça sort demain mec trop sincère, t'es. À 17h. Walid, tu veux t'exprimer sur Manchester United? Non, en fait sur Manchester United, Ronaldo a raison. C'est un état des lieux qu'on a évoqué depuis très très longtemps. Pour ceux qui nous suivent au WFC ou même au Club des 5 avec Elton, c'est un constat clair et net qu'on a eu sous beaucoup de coachs, donc il ne nous apprend rien. Maintenant, en fait, le problème, c'est que du côté de Manchester United, par rapport au cas Ronaldo, en fait, je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, bien évidemment... Ronaldo a raison. Le truc de Ralf Rangnick, on l'avait expliqué, on était quand même très, très, ici, pessimiste.
ah oui. sur le choix Rangnick, bien sûr. Sur le fait de finir la saison en novembre avec un coach qui n'a véritablement jamais été coach, ou très très peu. Il a quand même été longtemps coach. Oui, ah oui, oui. Non mais là il n'avait pas le statut de coach, il avait le statut de... avec Schalke, oui, il est encore troisième. Non mais là où il a raison, c'est que là en fait il a le statut de directeur du foot. Il était plus un DTN, comment dire, un directeur du foot. Sur la fin, oui, il a quand même 30 ans de coach. Non mais sur la fin. Bah si, sur la dynamique, Elton, c'était plus un mec qui était réputé pour ses idées, et notamment en club, que sur le coaching. De toute façon, il arrive à Manchester sans être coach, en fait. Voilà, il dit qu'il est directeur. Voilà, au très haut niveau. On avait quand même décelé ça. Donc ça, sur Ronaldo a raison. Maintenant, sur le cas Manchester United, sur le cas récent, là, parce qu'encore une fois, ça découle du sportif. À partir du moment où Cristiano Ronaldo a ses soucis familiaux, d'accord, si on, comment dire, on va répéter ce qu'il dit dans son interview. Donc, soucis familiaux, Manchester United communique sur le fait qu'il ne pourra pas aller en Thaïlande à cause de ça, etc. Ok, il revient, il est en méforme physique. D'accord, Ce qui peut s'entendre. Mais la réalité, elle est là. En fait, tout peut s'entendre avec Cristiano Ronaldo, sauf qu'il y a un côté factuel, il y a une réalité que les gens ne veulent pas entendre. Tout peut s'entendre. Que certains ne veulent pas entendre. Ou que certains ne veulent pas entendre. Tout peut s'entendre, sauf qu'il arrive... Contre Rayo Vallecano, il fait une mi-temps, il est physiquement dépassé. Ok ? Contre Brighton, il rentre à la 54e minute, il ne joue pas titulaire parce qu'il est dépassé. Déjà, il rentre titulaire. Et ensuite arrive le premier tournant de la saison. Ensuite arrive Brentford. Contre Brentford, il est titulaire. 4-0 à la mi-temps. Il est respecté contre Brentford. Il rentre contre Brighton alors qu'il n'a pas un match entier de préparation physique. Et il est titulaire contre Brentford. Ils prennent 4-0. Ten Hag fait des choix. En se disant, Cristiano, tu n'es pas prêt physiquement. Parce que sa tête peut sauter à Ten Hag. Il veut des résultats, Ten Hag. Donc, il mise sur le collectif. Il entame une série de 4 matchs avec 4 victoires, sans être flamboyant, sans Cristiano Ronaldo, avec Rashford au poste de numéro 9. Il essaye de le réintégrer dans un deuxième temps. Il essaie de le réintégrer en Europa League, contre Newcastle, après Everton, etc. Avec des fenêtres de tir accessibles. Où est-ce qu'il y a un manque de respect de la part de Ronaldo quand tu vois, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe? Et surtout, la réalité, c'est quand il est sur le terrain, les matchs contre Omonia, les matchs contre Newcastle, il n'est pas bon. En fait, aujourd'hui, si tu te places du côté de Manchester United, qu'est-ce qu'ils ont mal fait? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Pour les fans de Ronaldo, en fait, il aurait dû jouer tous les matchs, quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas bon, même s'il n'est pas prêt physiquement. Ah, mais parce qu'il y a une réalité collective, il faut gagner des matchs. Exactement, le football, c'est ça. Aujourd'hui, Erik ten Hag est dans cette position-là. Et je ne comprends pas que les gens ne veulent pas prendre un nouveau Rangnick en novembre. Et malgré ça, dans ce paysage-là, tu as eu des cas où Ronaldo a manqué de respect à l'institution. Notamment contre Tottenham, notamment contre le Rayo Vallecano, notamment par ses agissements, notamment par sa famille. On n'oublie pas que sa sœur a fait un post Instagram à un moment donné à charge. Tout ça est important quand même. Walid, sur le faire rentrer Ronaldo à 2 minutes de la fin d'un match. Mais il l'a pas fait contre City parce qu'il prenait une valise. Walid, n'oublie pas que sur le volet sportif, pour être complet, il y a aussi parallèlement Maguire qui a été déclassé en étant le capitaine du club. Non, mais après, encore une fois, les gens vont te dire et Maguire, Ronaldo, ils n'ont pas la même carrière. Ils n'ont pas la même carrière, mais dans l'absolu, on parle d'un gars qui, publiquement, en conférence de presse, a été confirmé comme le capitaine numéro 1 de Manchester United. Et qui est pris en sélection anglaise. Qui est pris en sélection et qui a la faveur des matchs. Parce qu'il sera certainement titulaire, d'ailleurs. Il y a une dynamique qui s'est installée. Il a été déclassé. Si on m'explique que déclasser un capitaine en cours de saison, c'est normal. Qu'est-ce qu'aurait dû faire, Thomas, s'il te plaît, Manchester United avec le cas de Ronaldo cette saison? D'un point de vue de la gestion sportive. À partir du moment où le capable de dire ça, à partir du moment où le mec a 37 ans, il n'est pas prêt physiquement en début de saison pour des raisons où il voulait se barrer dans un deuxième temps, il a eu des problèmes familiaux et il a eu une fin de saison très très compliquée émotionnellement. Qu'est-ce qu'aurait dû faire Manchester United à partir du moment où il y a une fenêtre de tir Europa League et qu'il joue les matchs d'Europa League contre la Real Sociedad, contre les plus grosses équipes du groupe, qui joue contre Newcastle? Qu'est-ce qu'aurait dû faire qu'est-ce qu'aurait dû faire Manchester United? Expliquez-moi, dans le football actuel, où on n'est pas dans le monde des bisounours, le football actuel, il faut gagner des matchs, il faut avoir une progression, sinon les mecs sautent, notamment sur le banc. Expliquez-moi, moi j'aimerais bien entendre les arguments. Et surtout, moi je te dis qu'à partir du moment où il y a un déclassement sportif, ce que j'aurais aimé de Manchester, de Ronaldo notamment, c'est qu'il continue, comme je le dis depuis le début de saison, avec Manchester United, où il peut rentrer en cours de jeu, où il peut avoir des titularisations en Première Ligue et qu'il joue en Europa League, qu'il aille chercher une Europa League. En plus, cette saison, l'Europa League, elle est extraordinaire. Il y a un match contre le Barça où il peut être incroyable après la Coupe du Monde. Et
Et il accompagne la nouvelle génération dans le vestiaire, les Garnacho, les Rashford, les comment dire, tous ces joueurs là qui émergent et ils diffusent. On sait pas s'il et il diffuse. Peut-être qu'il l'a fait ça. Bah peut-être, mais qui continue à le diffuser comme il l'a diffusé l'année dernière dans un rôle un peu moindre. Et s'il retrouve son niveau de jeu, et ben il continuera à jouer. S'il le retrouve pas, oui, mais il est dans un rôle paternaliste. Il peut très bien accompagner en termes d'image pour Manchester United aurait été magnifique. Il peut très bien accompagner les jeunes. Ça, c'est ce qui se passe avec les joueurs. Mais s'il n'est plus en accord avec ce qui se passe au-dessus, c'est normal. Mais il n'est pas en accord avec quoi, Thomas ? Parce qu'il ne il va pas se forcer à accompagner. Parce qu'il ne va pas se forcer à accompagner un groupe parce que, pour les besoins de la princesse. Parce qu'en termes d'ego, il pense qu'il doit jouer dans cette équipe et qu'il y a un mec qui a décidé qu'il était aujourd'hui pas dans ses plans initiaux. La réalité, elle est là. Et que, comme toutes les légendes, mais c'est normal. Aujourd'hui, il faut le comprendre. Humainement et sportivement, Ronaldo est un joueur qui a tout gagné, qui a tout fait. C'est difficile à entendre pour lui. Mais la réalité, elle est là. Alors, Et moi, en termes d'image, je pense qu'il se tue en faisant ça. Il a parlé de Ralf Rangnick aussi, également, notre ami Cristiano. Il a parlé de Rooney aussi. Ouais. Ça, c'était pas très classe. Ouais, déjà, manque de considération. Notamment sur son aspect physique. Ouais. Oui, c'est pour il a fait des allusions là-dessus. Il faudrait lui envoyer un petit message pour lui dire que Rooney, en termes d'accomplissement à Manchester United, il lui met une trempe. Hein. Ouais, parce que à Manchester. Oui, son accomplissement dans la carrière. Après, il est resté beaucoup plus longtemps. À un moment donné, si on a un manque de considération sur le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United, sur le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, en fait, personne ne peut parler. Et après, moi, ça me dérange pas, le trash talk, parce que Rooney lui en a envoyé une ou deux. Le crime de Rooney, c'est quoi ? C'est d'avoir dit que oui, il y a une dynamique qui s'est installée, physiquement, dire j'ai meilleure mine que lui, etc., genre le sous-entendre, c'est pas bien. Après, moi, je suis d'accord avec Rooney, parce qu'il y a d'autres amis à lui, là, les Neville, les Ferdinand. Passons pas d'image encore, Ferdinand. Ferdinand, tous les jours, il met son post Instagram, il met son post TikTok. Là, il n'y a rien du tout. Là, il n'y a rien du tout. Il préfère Ronaldo à Manchester United, Ferdinand. Il a parlé de Ralf Rangnick aussi également. Vous mettre la déclaration sur notre ami Ralf. Là aussi, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on aime à dire. Regardez cette déclaration. Rangnick, ce mec n'est même pas un coach. Les directives de Man United m'ont surpris, moi, mais aussi le monde entier. Si tu n'es même pas entraîneur, comment tu veux être le boss. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Ouais, ça, on l'a déjà dit, je pense. Hein. On en a parlé également, mais voilà, c'est peut-être le point de départ. Tu en avais parlé un petit peu, Walid, de tout ce qui s'est passé avec notre amiral. Du coup, ça pose une question. Ça pose aussi un problème, c'est que le Cristiano Ronaldo à Manchester United, dans le sapin, hein, ça devrait se terminer assez rapidement. On va faire rapidement un petit bilan. Je vous pose la question. Ce sera la dernière question que je vous pose sur le sujet Ronaldo. Quelle note pour le retour de Ronaldo à Manchester United ? Je vous mets juste quelques stats avant ça. Je crois qu'on a ça en régie pour voir un petit peu depuis son retour il y a deux ans. 54 matchs joués, 27 buts marqués, 5 passes décisives. Merci en régie pour le petit graphe. Mettez une note sur 10. Vous mettez juste le chiffre entre 0 et 10. Vous mettez 1, vous tapez 8, vous tapez 9, vous tapez 4, vous tapez ce que vous voulez. Pas de slash, pas de virgule, juste une note ronde pour le retour de Cristiano Ronaldo à Marseille. Tour de table, ça je laisse les gens voter, mais vraiment en une phrase. T'as dit à Marseille. J'ai dit quoi ? À Marseille. Il est pas venu à Marseille ? Non. Ah merde. Bah pardon, je pensais qu'il était venu avec l'Arabie Saoudite et tout qui arrive. Non, je suis désolé. Pardon. Sofiane, en une phrase, le retour en un mot. Ouais, première saison à son niveau, individuel, correct. Deuxième début de saison, pathétique. Donc je vais mettre un 4. Hilton. J'ai encore à la maison le DVD de la saison 2007-2008. Je préfère rester sur ce souvenir. Donc, je te mettrai un 4. Okay. Je te mettrai un 4 parce qu'il n'y a pas de corrélation entre les perfs individuels de Cristiano Ronaldo et la performance collective de Manchester United sur la première saison, enfin sur la saison du retour et sur la saison actuelle. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce qu'il a à côté de ses pompes. Walid ? Moi, je lui mettrai un 5 parce que... C'est plutôt ce qui est en train de se dégager. Parce que j'étais contre son arrivée à Manchester City. Oui. Et rien que pour le fait d'avoir retenté le coup à Manchester United, même si bon, il a eu besoin de tonton Ferguson pour lui faire comprendre qu'aller à Manchester City, c'était très très grave. Et rien que pour ça, pour le fait d'aller chercher ce défi à Manchester United qui n'était pas simple et qui était compliqué, je lui mettrais un 5. Sa première saison reste bonne statistiquement, même si dans le jeu de United, c'est délité. Et en termes d'image, ça se termine très 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 mal.
mais je lui mettrais quand même un 5 pour ça. On est sur un 5. Hein. Ouais. Je lui mets un 5 sans l'interview. Je lui enlève 4, j'enlève un point pour, tu sais, comme à l'école, tu sais, écriture, tu t'écris vraiment mal, moins 1. Donc j'enlève un point pour. J'écris mal, moi. J'aurais très très mal pris que Ronaldo aille à Manchester City, je l'ai déjà dit sur ce plateau. Ouais, après. C'était sur l'ancien plateau. Ouais, sur l'ancien plateau. Et rien que par rapport à ça, ouais. Je lui rajoute. Même si bon, je suis très très déçu. Ouais, je reste sur 4 parce qu'on a énormément de considération pour Cristiano Ronaldo, on ne peut pas être satisfait. Et lui-même le sait. Eh ben, il y a eu des 0 et des 10, mais finalement, ça donne un 5. Donc, c'est parfait. La note pour Cristiano Ronaldo pour son retour à Manchester United. Fin de ce débat, Cristiano Ronaldo. Et oui, alors je suis à la fin. On respire. Très rapidement. Merci Thomas, pour vos votes, les amis. Ouais. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais en termes d'image, ce qu'il a fait, c'est-à-dire que moi, je suis un club aujourd'hui de football, avec tout le cirque depuis 6 mois, sincèrement. J'ai quand même, en termes de niveau sportif, en termes de respect c'est club... C'est ce qui va être intéressant dans sa suite maintenant, savoir où il va aller, là on pourra parler de tout ça. Respect entraîneur, d'accord, respect de l'institution, et surtout tout ce que vampirise Ronaldo autour d'un club, sincèrement, j'aimerais bien savoir quel club j'en va y aller. J'en parlais avec... Chelsea ouais. Non, j'en parlais avec Philippe Soufflère, donc correspondant, on en parlait pour le podcast d'Eurosport. Il ira Chelsea. On se posait la question, quel entraîneur va vouloir prendre Cristiano Ronaldo en sachant qu'il pourrait lui arriver... Ferguson, il n'entraîne plus. Non, mais en sachant qu'il pourrait lui arriver le même sort que Ten Hag. Un entraîneur qui n'a pas de choix. On ne relance pas le débat. En fait, parce que juste pour terminer sur Cristiano Ronaldo, en fait, c'est marrant parce que Rangnick, c'est pas un coach. Ten Hag, visiblement, il peut pas faire le job. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la liste... Sarri, c'était problématique. En fait, le problème avec Cristiano Ronaldo, c'est que la liste des entraîneurs qui peuvent coacher Cristiano Ronaldo, j'ai envie de dire, c'est compliqué. Ancelotti et Zidane, quoi. Mettez-nous, continuez à nous mettre des likes, les amis. On le sait, à chaque fois, les débats Cristiano Ronaldo sont très emballants, je sais pas ce qu'on peut dire. Mais voilà, ça provoque beaucoup, beaucoup de réactions. On vous le répète, Walid n'est pas anti-Ronaldo, il n'est pas anti-Messi, il n'est pas pro-Messi, il n'est pas pro-Ronaldo. Pareil pour... Je suis pro-foot, moi. Pour mon côté droit, c'est juste des personnes qui parlent foot, qui parlent très bien foot, mais qui disent surtout, avant tout, ce qu'ils pensent. J'ai fait un d'accord, tweet pas d'accord, a, pas de problème. Il y a un an, j'ai fait un tweet, pour rigoler avec Yanis, j'ai mis Messi, c'est l'opportunisme et Ronaldo, c'est le romantisme. Ouais. En mode rigolade, tu vois. Depuis hier, les mecs qui me disent « Alors, tu dis quoi ?» Et tu sais, Thomas, juste parce que j'en ai vu, parce qu'il y en a des habitués, il y en a qui viennent… Il y a des habitués, il y a des nouveaux. Exactement. Et les habitués, comme Sofiane, par exemple, qui disait « Walid, si on n'est pas d'accord avec toi, forcément, etc. » Alors vraiment, je suis pour le désaccord. Et n'hésite pas, Sofiane, ou d'autres, si vous avez des raisonnements, etc., sur Ronaldo, vous n'êtes pas d'accord dans le respect, on peut en discuter en DM avec, avec grand plaisir. C'est juste ceux qui sont… dans le fanatisme à outrance et qui ne... Il y a des manières de ne pas être d'accord. Voilà, bref, voilà, on va continuer. Mettez un maximum de likes. On est plus de 2000, les amis, donc on peut aller... C'est bizarre, on est 2000. Énormément de... On dit beaucoup de merde, mais on est quand même 2000. Ça n'engage que toi. On peut aller chercher un maximum de likes, les 500, les amis. Très, très rapidement, on fait les masterclass, parce que ça mérite, mais très rapide. Okay. Non, on ne fait que masterclass, non? On verra. On fait les deux? Je suis le présentateur. Ok. Masterclass. La Juve, c'est assez rare, donc on va le faire un petit peu, c'est parti. Juve ! Allez, comme chaque lundi, les masterclass et disasterclass, on va faire très rapide parce que la Juve mérite sa petite minute. Alors, je suis désolé pour les supporters marseillais, j'en ai vu passer, je les ai reconnus. On aurait pu en parler de Marseille, ça aurait pu être la masterclass, on en y reviendra sur ce qu'a fait l'OM. C'était pas une masterclass en plus. Non mais je parle du match moi, plutôt tu vois le scénario. En fait là la Juve, on a beaucoup critiqué à juste titre, exactement. On est obligé d'être sincère. Et puis à ce moment s'il y a une masterclass ce week-end, ça peut être celle de la Juve qui s'est imposée, donc on va voir en stats. 3-0 face à la Lazio. Désolé Placide Pacifica, vous parlez pas du match d'hier soir, super. Juve et Lazio c'était hier soir mais c'est pas le bon j'imagine. Mais voilà, il faut comprendre certains... La Juve, c'est important, la Juve. 3-0 donc, 13 tirs à 10. La Juve qui se relance, ils n'ont pas eu la possession, mais la Juve qui se relance largement au classement, au-delà du match d'hier qui a été très réussi. C'est vrai qu'il se relance. Je vais vous poser une question, les amis. Merci pour les stats. C'est est-ce que pour vous, la Juve, c'est crédible d'en parler pour le titre? Ils sont à 10 points. Ils sont actuellement à 10 points de Naples. 10 points de Naples, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas Marseille, la masterclass, Mohamed, c'était le match. Il y a eu du spectacle, il y a eu... Voilà, c'est
le match, pas Marseille. Sur la Juve. Écoutez bien. Crédit pour le titre. Vous répondez oui ou non, mais juste sur le match d'hier, ils ont fait un gros match. Ils enchaînent surtout. Ouais. Pour moi, c'est le match le plus consistant parce que depuis leur défaite face à Milan, le 2-0. Oui. Ouais, début octobre. Ça enchaîne. Exactement. Ouais. Avec des contenus différents. Là, c'était un bon contenu. Oui, parce que c'est en fait, faut faire très attention parce que quand tu vois la série, elle est très bien et tout. Mais pour le coup, j'ai vu ce matin donc le match d'hier et j'avais vu Lecce et l'AS Vérone. Et l'AS Vérone, c'est un match particulier. Et l'AS Vérone, t'as deux doigts de prendre un pénalty sur un geste de Bonucci qui se joue à la marche, tu gagnes 1-0. Le but face à Lecce, c'est Fagioli qui vient un petit peu de nulle part, même si le match n'est pas si mauvais. Mais j'ai trouvé hier, en fait, que le match face à la Lazio est très consistant. T'as des joueurs qui sont en train de prendre une bonne dimension. Rabiot. On sait mon désamour sportif pour Rabiot. Je trouve qu'il est exceptionnel hier. Fagioli, que j'aime beaucoup, moi, parce qu'on a beaucoup parlé de Miretti dans le milieu de terrain, mais Fagioli, ce qu'il propose depuis son entrée dans l'équipe, c'est très très bon. Rabiot, c'est pas qu'hier. Hein. Oui. Et face à l'Inter aussi, il était bon. Mais face aux autres, j'ai dit qu'il était bon, les amis. Ouais. On parle du match d'hier. Ouais. Donc, il y a un truc aussi sur la série. Je sais pas, une petite coïncidence comme ça. Bonucci joue de moins en moins quand même. Et en termes de stabilité, de solidité derrière, ça s'en ressent. Je voyais la Juve, pour être tout à fait honnête, complètement larguée, même pour le top 4 il y a quelques semaines. Je pense que là, si on prend en compte les deuxièmes parties de saison du Napoli qui sont souvent décevantes sur les dernières années, écoute, pourquoi pas. Comme quoi, c'est dans les méthodes. Je reste sur Naples quand même. Comme quoi, c'est à travers les méthodes ancestrales, entre guillemets, que tu peux relancer ta saison. Parce que je vous rappelle que depuis qu'il y a eu la mise au vert, le retiro du côté de la Juve. Ouais. Ils n'ont pas accepté les joueurs, en plus. Ils n'ont pas pris un but en Serie A. Ouais. C'est éloquent. Le dernier match où ils ont pris un but, c'était contre Milan, avec notamment ce super but de Brahim. Et donc, du coup, il y a beaucoup de consistance. Il faut quand même rappeler que, à partir du moment où il y a des recrues qui sont en train de carburer, il y a Kostic, on l'a évoqué. Très bon, depuis le début de saison, lui. Très bonne patte gauche, mais surtout, moi, j'ai envie de relever sur le volet défensif Bremer. Bremer, on le savait déjà, c'était le meilleur défenseur de Serie A avec le Torino, mais là, on peut le présenter comme le leader de la défense de la Juve. Et tu peux rajouter le retour de Chiesa aussi. Le retour de Chiesa. Chiesa, il n'est pas titulaire. Non, il est rentré hier, mais il va revenir en forme. Oui, d'accord. Parce que je regarde les cotes. Sur la dynamique, il n'est pas présent. Naples est à 1,40. Il y a Milan et l'Inter devant la Juve, ils sont à 12. Hein. La Juve. Ouais. Très grosse cote. Et attention, il faut quand même rappeler que la Juve est sur une moyenne qui est pour moi typiquement Juve, c'est une moyenne de 2 points. C'est ce qu'on demande à la Juve, à avoir une moyenne de 2 points, à ce qu'elle soit compétitive. Bon, il se trouve que cette année, il y a une équipe qui est au-dessus du lot. Et par rapport à ça, notamment par rapport à ce qu'on demande à la Juve, eh ben, c'est une situation. On retrouve une Juve pas ridicule. C'est un minimum. C'est une Juve comme on devrait la décrire, c'est-à-dire solidité défensive. Et ça, il n'y a pas de mal, parce que pour moi, la Juve, j'ai toujours connu comme ça. On est fort défensivement, 7 buts encaissés. Ça, c'est la Juve, c'est ce qu'on demande. Et offensivement. En quelques mots, j'ajoute un bon Milik aussi. Voilà, je dis bon Milik. Bon Milik. Mais c'est but. Mais voilà, bon Milik. Walid, tu veux mettre un petit peu. Non, ils ont tout dit. Ils ont vraiment tout dit, ça sert à rien. Et Cocorico, Rabiot qui t'apporte de la consistance défensive. Ça, faut quand même le dire, parce qu'il fait un très bon début de saison. Ouais. On n'a pas trop le temps de faire la disaster class. C'était Chelsea qui. Et c'est peut-être finalement au milieu de terrain le joueur le plus en forme en équipe de France. C'est pas inquiétant. Ouais. Hier, Fofana, il m'a pas fait grosse impression. Ouais. C'est ce qui est inquiétant. Fofana, m'a pas fait grosse impression. Mais voilà, vous répondez non au statut de favori pour le titre. Non, je pense que la Ligue des Champions, la qualification directe en Ligue des Champions, ça va être l'objectif. Après, faut pas oublier qu'ils sont. Non, pour la Juve. Il y a une course à la Ligue des Champions entre la Roma et la Juventus. Ils sont à 4 points. La Roma est 7e. On a un championnat intéressant cette saison. Ah, mais c'est dans la continuité de ce qu'on dit sur la Serie A, savoir que la Serie A est un championnat homogène. Ça fait plaisir de voir cette Serie A. Homogène, mais en termes de niveau, parfois. Oui, que c'est quand même. Quand tu dis homogène, ça découle de ça. La disaster class, c'était Chelsea. Ils avaient perdu 1-0, but de Willock face à Newcastle. Malheureusement, on est. Ça glisse, hein. On est toujours sur l'idée que. 8e. 5 tirs sur le match. 5 tirs. Non, mais Thomas, on est toujours sur l'idée qu'on va être sur une saison de transition. J'en parlais tout à l'heure du côté d'Eurosport. À partir du moment où tu as eu des décisions importantes dans les bureaux, il y a une corrélation. Vous échangez maintenant sur le podcast Eurosport ? Ouais, c'était premier numéro. Il y a du débat ? Ouais. Ça va sortir tout à l'heure. Ah, d'accord, c'est plus. Vous faites votre. Non, là pour le coup, on a pu. Donc tu débats avec Philippe Auclair et tout. On a parlé du Bayern, on a parlé de Chelsea, on a parlé d'Arsenal. Ah, c'est cool. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand tu regardes Arsenal, Manchester City, il y a une corrélation entre ce qui se passe dans les bureaux et ce qui se passe sur le terrain. Du côté de Chelsea, à partir du moment où on n'a toujours pas de directeur sportif, à partir du moment où tu viens d'installer un entraîneur, Graham Potter,
Tout le monde dira, ouais, Graham Potter, ah, vous voyez, par rapport à Brighton, la marche, elle est trop haute. Les gars, il faut être très honnête. Au moment d'installer son football, il y a besoin de temps. Et ça, c'est quelque chose de très important pour avoir une couleur footballistique qui se rapproche de celle de Potter. Et de joueurs adaptés à ce qu'on est loin du Golden Graham. Exactement. Aujourd'hui, Chelsea, c'est une équipe qui mange son pain noir. Et la Première Ligue, et ça, c'est quelque chose de positif, la Première Ligue ne t'attend pas. Tant parce mieux. Que la Première Ligue Tant avance. Mieux. C'est la réalité du football de haut niveau. Allez, on va faire la question écœurante du coup. Ok. Ah oui, c'est vrai ça. Putain, oui, il y a quand même une question écœurante, comme chaque mag du lundi, juste avant la chronique de Tom, qui va arriver pour refaire sa semaine foot. La question écœurante, c'est tout de suite, on y va. La question écœurante de ce WFC, on va s'intéresser à l'équipe de France. Vous le il a appelé un 26e. De quoi ? Il a appelé un 26e joueur. Il a appelé Disasi à la place de Kimpembe, ça on aura le temps d'en parler cette semaine, parce que ça peut être assez surprenant. Mais l'information, c'est la surprise de ce matin, c'est la sélection de Thuram qui fait son retour en équipe de France. Il revient. Ça fait un bail, non ? Après 2006. Ce qui est intéressant aussi avec le retour de Thuram, c'est qu'on va le voir à l'écran, on a le retour d'un gros CV. On parle d'une équipe de France jeune, en manque d'expérience. Le CV de Thuram, il est quand même assez intéressant. 6 années à Monaco, 5 années à Parme avec les succès qu'on lui connaît, la Juventus Turin ensuite, donc grosse expérience italienne. Il a joué avec le Barça. Il a quand même 142 sélections avec l'équipe de France. Sofiane, on peut avoir quelques doutes sur son physique. En fait, moi, au début, je me suis dit, bon, rappeler un joueur comme ça, après tant d'absence... 50 ans, quand même. 50 ans, ça commence dans les jambes, ça commence un petit peu à trotter. Mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu la structure de la liste, tu te dis qu'il y a un manque à ce poste de latéral droit. Ça, c'est compréhensible. C'est vrai que le vivier n'est pas extraordinaire, donc rappeler un joueur comme ça, même après tant d'années... Et allez, on va voir comment ça va être intégré d'un point de vue gestion, mais pourquoi pas. Comment Walid, un joueur de 50 ans qui vient là en dernier recours dans la liste de l'équipe de France ? Ah, il va falloir l'expliquer au groupe, mais je pense qu'ils vont le comprendre. Hein. Quand tu vois Thuram arriver dans le groupe France, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont apprécier sa venue, parce que sportivement et puis même dans le vestiaire... Ouais. Il manquait de leader sur cette liste-là. Ouais, il y a un déficit d'expérience qui est quand même très important. Et quand tu vois son palmarès, les vestiaires où il a joué, t'es obligé d'acquiescer. Moi, au début, je me disais, purée, Deschamps est un peu perdu, mais un peu avec le recul. Avec le recul, ça va être une bonne chose. Sofiane aussi, il y a un vrai avantage pour cette sélection de Thuram, c'est qu'il connaît Deschamps. Oui, il a joué avec lui. Ils ont joué ensemble à la Juve, donc ça peut être un bon relais terrain. Avec l'équipe de France. C'est vrai qu'on dit toujours, tu sais, c'est le papa du groupe. Mais là, c'est vraiment, il peut être le père de beaucoup de joueurs. Ouais. Donc ça, c'est important de le préciser. Ça peut être vraiment quelque chose de positif. Ça prouve aussi qu'il y a un vrai besoin au poste de latéral droit. On a parlé de Pour moi, il est titulaire. On a parlé de Klose qui n'a pas été appelé. Là aussi, nouveau coup dur pour Jonathan, parce que Thuram, 50 ans, lui est préféré. On met juste une petite compo pour voir comment ça peut s'articuler avec, c'est pas mal. Avec Thuram. Voilà, il retrouverait sa place de latéral droit. Naturel. Hein. C'est pas mal. Sur le côté droit, possibilité de monter, on l'a vu. Hein. Pour ceux qui ont vu ça dans les grandes années, il a la possibilité d'aller chercher même un but ou un centre. Donc, on se posait la question du Pavard. Voilà une bonne solution. Le rappeler en dernière minute, on ne va pas en vouloir à Deschamps. C'est une bonne chose. Et puis, même si on joue. Aujourd'hui, si on joue les Croates, par exemple, ça peut quand même... Dans les têtes, ça va trotter. Exactement, psychologiquement, le Danemark aussi, parce que le Danemark, on a perdu, et le fait de le rappeler Thuram, c'est pas forcément c'est bon. Par contre, dire en 2002, oui, aussi, Thuram, il est sur la photo de famille, sur le but de Romain Dahl. Je vais juste revenir sur un élément. On peut revenir un peu. Attention, moi, je pense qu'on est médisant par rapport à son âge. Moi, dans l'absolu, j'ai déjà vu Roger Milla. J'ai vu Mondragon en 2014. Et surtout, on oublie quelque chose de très important, les méthodes de préparation ont quand même sérieusement évolué. Je veux dire, en 2022, pour moi, ce ne serait pas déconnant sur la Coupe du Monde 2026 de voir des joueurs qui atteignent l'âge de 50 ans. Et il l'a peut-être aussi dans le viseur. Et puis il est novateur. Il ne veut pas se faire dépasser par Lloris au nombre de sélections. Lloris, 139 sélections, tu auras maintenant 142. Il y a peut-être aussi ce petit truc
à gérer à distance avec, avec Hugo. Parce que dans l'absolu, si tout va bien, Lloris, au bout du troisième match, bon, au bout du troisième match, il pourrait y avoir Mandanda, mais il pourrait égaler Thuram. Donc par rapport à ça, c'est aussi des considérations à prendre en compte. Ça, c'est la légende, ça. Bah, la légende d'un joueur. On suivra ça, donc le retour de Thuram en équipe de France. La Coupe du Monde, ça commence bientôt, on va en parler de manière insistante. À partir de cette semaine, on va donc terminer cette émission avec Border Terrain, la chronique de Tom. Vous en avez l'habitude, c'est parti. Putain, j'ai galéré à me déplacer. C'est vrai que t'as eu un peu de mal. Je me suis niqué le genou. Vous êtes beau comme ça, là. Je suis niqué le genou. Là, on est un peu raccord, ouais. Ouais, un peu... Tom et Tom. Ça va, Tom? Ça va, pleine forme. Ouais. Très content d'être là. Bon, on parlait de galérer l'autre émission. Fait quoi comme bêtise encore? On a fait quoi comme bêtise, tu vas voir. On a parlé de l'équipe de France, tu voulais en parler, parce que c'était quand même l'actu de la semaine, tu voulais en parler, Tom. Ben oui, parce que comme tout bon fan de football, chaque année de Coupe du Monde, on attend avec impatience cette liste. Ah, de quelle liste on parle, me diront ces gens qui portaient des t-shirts Nirvana et des jeans slim en cours de PS. Évidemment, je vais parler de la liste des Bleus pour la Coupe du Monde. Moi, depuis moi, je me suis toujours dit qu'un jour, j'apparaîtrais dans cette liste, qu'on prononcerait mon nom en direct sur TF1, Tom Sieravino. La seule fois où on m'a appelé comme ça, c'était à Pôle emploi, malheureusement. J'avais d'ailleurs croisé Jonathan Clauss, hein, car oui, comme moi, Jonathan Clauss n'a pas été appelé pour partir au Qatar. Ça, c'est dur. Bon, sauf que lui, il avait prévu un documentaire sur les dessous de sa sélection. Ah, c'est vrai. On devait le voir en direct, durant la liste, avec son meilleur pote. Mais bon, évidemment, ça ne sortira jamais. Bon, j'ai quand même imaginé ce que ça aurait pu donner, le documentaire. Petite bande-annonce. La Coupe du Monde, évidemment que c'est un rêve. Moi, j'y crois, j'ai travaillé pour, donc croisez les doigts. Allez, c'est maintenant ça, c'est les gardiens où je fais péter le champagne, j'en peux plus. Oh, oh, oh. La Coupe du Monde, c'est un rêve de gosse, t'as vu ce que tu manges, c'est un truc de ouf. On verra, c'est pas fait. Normalement, je suis le premier appelé là. Ouais, c'est bizarre là, non? Lucas, Hernandez, Théo, Hernandez, Presnel, Kipembe, Jules, Koundé. Là, c'est les milieux de terrain. Ouais. Ah, les milieux de terrain? Oh, mais en plus, il tape quand je fais offensif. Mais ça, c'est le numéro 7. Bon, 5 buts cette saison, c'est un truc de ouf. Frérot, calme-toi, rebouche, passe aux attaquants, c'est pas possible. Oh, j'ai pas fait l'assurance pour les billets d'avion, moi. Je crois que tes potes durent porter sur des points là. Le journal il est terminé, le JT c'est fini, ils ont commencé à mettre Avatar, mais c'est le manche partout. T'as vu même les joues en bleu. C'est une blague Johnny, oh. C'est une blague, oh. Ça sort bientôt, hein. Incroyable. Ça donne envie un peu, hein. À quel moment vous avez fait ça? Le pauvre Jonathan. On embrasse évidemment Jonathan Clauss qu'on adore. Tout le monde est là, oui. sur les médias, le pauvre, tu sais, les suiveurs, le pauvre. Il y a un seul média, les gros chiens, c'est génial. Mais évidemment, Jonathan, oui. Voilà, c'est que ça reste de l'humour. C'est que de l'humour. Ça va. Et bonne pensée à toi et ta famille. Ouais, revenons donc à la réalité. Hein, quand même, parce que moi j'étais donc devant ma télé hein, mercredi dernier pour entendre Didier Deschamps énoncer les sélectionnés. J'y étais même très tôt, hein, 19h30. D'ailleurs, quand j'ai allumé TF1, j'ai vu des gens très faibles techniquement, hein, qui avaient du mal à être justes malgré les images vidéo. Je me suis dit que TF1 avait récupéré les droits de la Ligue 1, mais non, c'était seulement la Star Academy. Mais au moins, ça m'a permis de patienter jusqu'à la liste. T'en as pensé quoi cette liste d'ailleurs? Bah, je suis perplexe. Ouais, oui. Hein, déjà, il faut savoir que je l'ai regardé en deux fois, hein, puisqu'après avoir entendu le nom d'Alphonse Sarriola, j'ai perdu connaissance. Et les pompiers ont dû me réanimer. J'ai donc regardé la suite en replay. Évidemment... Imagine vraiment le mec... Évidemment, le sentiment qui domine chez tout le monde,
C'est le doute. Hein. En même temps, comment ne pas douter quand tu vois Jordan Veretout dans les appelés. Bon, Jordan Veretout, tu l'appelles pour une partie de boule, pour un barbecue, pour un bal des pompiers, je sais pas, tu l'appelles pas pour la Coupe du Monde. Hein, moi, je pense qu'à Clairefontaine, ils vont pas comprendre quand ils vont le voir arriver. Salut. En fait, on a une fuite dans la salle de bain. Ah, tu es joueur de l'équipe de France. D'accord, j'en parle avec mon supérieur. D'accord. Écoute, excuse-moi, Jordan, je t'ai vu jouer avec l'OM, donc je pensais pas que. Enfin, autant pour moi. Enfin, bref, on en rigole. C'est quand même chaud, hein, notre milieu de terrain. C'est vrai qu'on n'a pas le meilleur des milieux, mais il y a quand même Camavinga, Tchouaméni, Rabiot qui fait des moins, j'en ai parlé. Ça peut tenir. Mais je suis plutôt d'accord avec cette théorie. Hein, j'ai du mal à être inquiet, hein, surtout quand on voit notre poule. Bon, ça devrait le faire. Hein. Bon, même s'il y a le Danemark quand même. Et la dernière fois qu'on a joué le Danemark, on s'est fait tourner. Hein, les jeunes, Tchouaméni, Camavinga, Papi Eriksen, il leur avait fait la leçon, hein, alors qu'il jouait en économie d'énergie sur son pacemaker. Puis il y a tellement, non, talent devant Benzema, Mbappé, Griezmann, un ballon d'or, un génie, et puis un mec qui fait des super célébrations. honnêtement, j'arrive pas à être inquiet. On est champion du monde en titre. Il faut être confiant. Et puis, de toute manière, si on perd de façon ridicule, je dirais que j'avais boycotté cette compétition ignoble. Bon, d'ici là, allez les Bleus. Je crois que j'ai fait le tour. Merci, Tom. Merci, Tom. Comme tous les lundis. On le retrouve pendant la Coupe du Monde ou pas? Hein? Il sera là pendant la Coupe du Monde? Tom? Ouais. Évidemment qu'il sera là. D'accord. Il y a des mags pendant la Coupe du Monde. Donc, le lundi, il y a un mag pendant la Coupe du Monde? Ouais, on va revenir sur la semaine. D'accord. Alors, on va trouver quoi? D'accord. On va trouver quoi? On est là tout le temps, on est là tous les jours. La Coupe du Monde, on vous. Je suis pas sûr qu'il y a un mag. Il y aura un petit teaser, évidemment. À chaque fois. Ouais. Le teaser de la Coupe du Monde qui sort à 17h. C'est pas mal. Voilà. On avait fait la Cannes. Le festival de Cannes, on avait fait la... Ah, il y a le teaser aujourd'hui? Ah, c'est le teaser alors? À 17h. 17h. Et soyez là, les amis, c'est un teaser... À 17h, c'est exceptionnel. Voilà. Wow. Et refaites-vous vos classiques de... Non, n'en dis pas plus. Du football. N'en dis pas plus. Après, il a fait 6 stories Instagram. Ouais. Refaites-vous vos classiques du football français. Du football français. Ouais. Faites-vous Emo Jacquet, quoi. Emo Jacquet. On vous embrasse. On le sait, il y a beaucoup de monde, donc c'est cool. Mais voilà, ces émissions-là, c'est très clivant. Voilà, on dit ce qu'on pense. Vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Merci quand même au chat qui a été avec nous. On vous embrasse, on vous aime fort, d'accord ou pas d'accord. Le tout, c'est de rester dans la bonne humeur. C'est ce qui compte, c'est notre credo dans le WFC. C'est de mettre du sourire le plus souvent possible en parlant football, parce que ça reste que du football. Donc voilà, on vous embrasse. Merci à Pierre et Nixon en régie. Merci à Tom. Merci Elton. Merci à toi Thomas. Merci à Sofiane. Toutes les personnes sur le chat. Ouais. Merci Walid. On se retrouve demain, 13h, pour une nouvelle émission. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à demain. Salut. Salut.